Eh bien, salut tout le monde, c'est Vinou, bienvenue pour une nouvelle présentation de jeux PlayStation Now. Alors écoutez, je vais vous expliquer pourquoi je vais vous présenter ce jeu. Tout simplement parce que sur PlayStation Now, il y a des jeux qui sont très connus, il y a des jeux qui sont excellents, il y a des grands hits de la PlayStation 3 et de la PlayStation 4. Mais il y a aussi des jeux qui, moi, m'ont fait beaucoup rire quand j'ai lu l'intitulé du truc. Quand j'ai eu l'intitulé du jeu sur le PlayStation Now. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas liver des jeux sur lesquels on pourrait rire un bon coup? Et je pense que ce Goal Gun Double Peace, on risque de rire un bon coup. Parce que c'est un jeu typiquement japonais. C'est un jeu typiquement... Alors je n'ai jamais joué. Je vais juste vous lire l'intitulé, en fait, que j'ai lu sur le PlayStation Now, ce qui m'a donné envie, en fait, de le découvrir avec vous. Donc l'intitulé, je vous le lis. Quand Udai est touché par l'ange Ekoro, il devient immensément populaire et toutes les filles de l'académie craquent soudain pour lui. Mais devenir irrésistible n'a rien d'un rêve. Chaque lettre d'amour, chaque cri d'adoration, chaque baiser le vide de son énergie. Pire encore, s'il ne trouve pas le grand amour avant la fin de la journée, il sera maudit et seul à tout jamais. Un jeu d'action et de tir sur rail dans un style animé de toute beauté. Utilisez votre viseur pour repousser les filles. Non mais les mecs, ça si c'est pas japonais ça. Ça si c'est pas japonais, je ne m'appelle plus Vinou Production. Bon alors, donc on va, voilà, je vais hop commencer à jouer parce que je sens qu'on peut se marrer la tronche. Je sens qu'on peut se marrer la tronche avec ce truc. Ouais, il faut un petit peu de bonne humeur sur cette chaîne YouTube, il faut rigoler un petit peu. Donc je ferai plusieurs jeux comme ça, si je chope des jeux sur le PlayStation Now qui me font rire en fait, dont l'intitulé me fait rire, et que je sens qu'on peut se marrer dans le truc, je les ferai sur cette chaîne YouTube. Donc, alors bien entendu, il n'y a pas de français, hein, ce n'est pas traduit en français, on va faire un tour quand même dans les options pour voir éventuellement si on peut mettre des sous-titres anglais. Est-ce qu'on peut mettre des sous-titres anglais? On va aller dans les paramètres de langage. On va mettre le son en japonais. Écoutez, autant aller au bout du délire, j'ai envie de vous dire. Autant aller au bout du délire. Donc, le son, on va le mettre en japonais. Par contre, j'ai pas l'impression qu'on puisse mettre de sous-titres. Donc, en fait, ben, démerdez-vous. Voilà. Vous ne comprendrez pas l'histoire du jeu. J'ai envie de vous dire, est-ce que c'est vraiment une grande perte ou pas? J'en ai pas l'impression. Allez, c'est parti pour ce Golgun Double Peace. Oh merde, mais je suis con, mais attendez, mais j'ai mis en japonais. Oh là là, mais je comprends plus. Moi, je crois que c'était les voix que j'avais mis en japonais, pas les... Oh là là, mais putain, mais... Il faut que je retrouve le menu des options. Allez, ça commence bien. Ça commence bien. Voilà, donc je vais remettre le truc en anglais. Voilà. Je sauvegarde, et c'est bon. Non, parce que je crois que c'était juste les voix qui me mettaient en japonais, pas les textes. C'est mal expliqué ce jeu, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Mais qui a sorti ce jeu? Mais ces gens-là n'ont pas honte quand même, mesdames, messieurs, de sortir un truc pareil. Regardez-moi, il y a un dressing room quand même dans ce Golgun Double Peace. Mais c'est un jeu, pour pervers sexuels, messieurs, dames. Que faisons-nous sur ce jeu? Oh là 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 là, Vinou Production est tombée bien bas. Incroyable, vous pouvez d'ores et déjà mettre les pouces rouges, hein, je vous l'ai dit. Alors là, on est dans la salle de dressing, voilà. Donc là, à mon avis, c'est une salle dans laquelle vous pouvez vous adonner à tous vos désirs les plus... les plus dégueulasses sur les jeunes filles. Mais c'est dégueulasse, ce jeu est dégueulasse. Sans déconner, ça sent un petit peu la pédophilie, quand même, ce jeu-là. Regardez-moi ça, quel âge ont ces jeunes filles? Moi, ça me met très mal à l'aise, quand même. Ça me met très mal à l'aise. Non, je suis désolé, ces jeunes filles ne sont pas majeures. On va quitter tout de suite ce dressing room. On va quitter tout de suite. Ça, c'est un coup à se faire striker la chaîne YouTube, ça. Je veux le dire. Donc, on ne prend pas de risques. On se tire. On se tire. Pas de dressing room sur Vinou Production. Allez, qu'est-ce qui m'emmerde, putain. Mais si je mets oui, ça quitte pas. Si je mets non, ça quitte pas. Oh là là, j'ai même pas commencé à jouer au jeu, je le sens mal. Alors, on va commencer le mode histoire, ok? On va voir ce que nous réserve le mode histoire. Donc je rappelle le pitch du jeu avant de lancer.
Nous sommes un jeu d'homme qui apparemment attire toutes les filles du lycée. Voilà. C'est quand même une histoire extrêmement bien trouvée. On peut saluer le scénariste de Golgun Double Peace. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'on y va en facile, hein? Est-ce qu'on y va en expert? On va y aller en facile. Hein, parce que, voilà. Alors, apparemment, on peut lui définir, vous voyez, une personnalité, on va dire. On peut le faire plus intelligent, ou plus athlétique, ou plus stylé. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire intelligent, voyez. Voyez-vous, le plus intéressant dans la vie, c'est d'être quelqu'un qui a un cerveau. Moi, je vous le dis. Le cerveau prévaut sur les muscles. Donc, on va faire quelqu'un d'intelligent. Mais je vois qu'on peut débloquer, vous voyez, après, des autres personnalités. Voilà, gentleman. Donc, on va faire un gars intelligent. C'est parti. Ok. Bon, je sais pas du tout quel est le type de jeu. Je crois que c'était marqué que c'est un jeu. Je l'ai vu sur le... sur le truc du PlayStation Now, sur la description, c'est un rail shooter, hein, je crois. Hein, donc, c'est pas un truc de fou. Hein. Donc, mon nom est Udai Kuroki. Je suis en seconde année d'études à la Sakurazaki Academy. Donc, voilà, il y a une légende à cette Academy. Je dis légende, mais bon, voilà. Je vais pas tout vous traduire parce que c'est chiant. Donc, c'est plutôt une rumeur. Donc voilà, la plupart des personnes l'appellent la super légende populaire. Voilà, donc écoutez, c'est apparemment le héros en est victime. Donc je sens que ça va me faire chier de lire tout ça. Voilà, il y a une tonne de filles qui confessent leur sentiments pour lui. Voilà, bon, écoutez, ça m'a déjà saoulé. Allez, on avance. On va voir ce que nous réserve ce jeu. Excuse-moi. Oui. Est-ce que tu es intéressé par le militaire, quoi? Par l'armée? Je suis trop jeune pour m'enrôler. Qui es-tu? Est-ce que tu es une étudiante ici? Oui. Je suis en première année. Je m'appelle Patako. Patako Amatsuka. Voilà, mon rêve, c'est de rejoindre le club d'armée au front de l'académie. Ma traduction est catastrophique. Mais attendez, moi, je ne suis pas bilingue. Donc, je vous fais un petit peu à ma sauce. Voilà, donc, voilà. Donc, Senpai, est-ce que tu es intéressé par les militari? Pas vraiment, non. Désolé. Oh, je vois, je suis déçu, voilà, désolé, voilà, on s'en tape, voilà. Udai! C'est qui, celle-là? Shinobu. Bonjour. Bonjour. Oh, c'est juste un petit peu inhabituel, tu me parles maintenant? Alors, tu m'as jamais calculé de toute l'année, connasse! Donc, ne pense pas parce que c'est parce que je t'aime, hein, attention. C'est juste que, voilà, je voulais te dire quelque chose. Ma petite sœur Maya l'abeille. revient me visiter. Elle est venue me visiter hier, voilà. Oni. Mais attendez, mais est-ce qu'il y a du gameplay dans ce jeu ou pas? Parce que là, je commence à en douter, là. Parce que vous savez, ça on dirait un... Comment s'appelle ce genre de jeu, là? Un visual novel. On dirait un visual novel. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Maya-chan. Voilà, maintenant, tu es... Ah non, c'est l'autre qui parlait, là. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, Maya, là, Maya, là-bas. Oh, tu es si grand, maintenant. Tu es si fort. Je sais même pas qui c'est cette meuf là. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Mais qu'est-ce que c'est la sœur de l'autre là? Oh là là, ça commence à devenir compliqué cette histoire. Merci, tu n'as jamais changé, Maya. Toujours aussi conne. J'ai grandi quand même. Hein. Grandi aussi, moi.
Oh, petite sœur, c'est bon, on va te faire foutre. Ah, Maya! Bienvenue, bon retour parmi nous. Merci, Oni. Bon, quand est-ce que ça va décoller, cette histoire de merde? Oh, désolé, Amaterasu... non, pas Amaterasu, pardon, excuse-moi, là, je suis dans le mauvais jeu. Amatsuka! San, est-ce que c'est toi? Voilà, à propos des nouveaux membres pour le club militaire, on s'en tape, mais qu'est-ce qui me fait chier avec son club? Qu'est-ce que j'en ai à foutre, putain? Amatsu! Où est-ce qu'elle est partie? Ah bah, à mon avis, elle s'est tirée. Elle s'est tirée devant la pauvreté du scénario de ce jeu. Alors, ensuite... Il me semble que voilà... Est-ce que c'était vraiment une bonne idée de présenter ce jeu? Est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Je sais pas. N'hésitez pas à me le dire sur la chaîne. C'est peut-être une grosse connerie d'ailleurs. Je pense que... Je me suis dit, tiens, j'ai une bonne idée. Je vais montrer des jeux qui pouvaient être marrants. Et en fait, c'est de la merde. C'est de la merde. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Parce que si ça vous intéresse, alors je peux vous dire qu'il y en a un sacré paquet des jeux de merde sur PlayStation 2. Sur lequel on peut se marrer la gueule. Là, j'ai fait un petit tour tout à l'heure. Il y a du choix. Voilà, donc là, il n'a jamais eu de relation. Voilà, ça, stéréotype du gars un petit peu indécis. Donc en fait, ça, c'est un ange de l'amour, en fait, si vous voulez. Je vais essayer de comprendre un petit peu le scénario, de vous le résumer. C'est un espèce de cupidon japonais, voilà, japonaise, qui va tirer sa flèche, en fait... sur un geek qui n'a jamais eu de relation amoureuse. Et donc d'un coup, parce qu'il a reçu la flèche de l'amour de la part de cet ange, eh bien toutes les filles vont être attirées par lui. Vous vous rendez compte? Mais c'est le scénario de la pub Axe. Est-ce que ce serait pas un scénariste de la pub Axe qui a fait ce jeu quand même? Salut, c'est Ekoro. Ah Ekoro, comment tu vas? Voilà, est-ce que ton examen se passe bien? Alors en fait, j'ai vu qu'il y a un ange, j'essaie de comprendre un petit peu, il y a un ange de l'amour, mais il y a aussi un démon de l'amour. Vous l'avez vu, il se cachait derrière le panneau, là c'était la fille qui avait des cornes. Et donc je pense qu'il va falloir faire attention à ne pas se laisser embrigader dans les mauvais côtés des relations amoureuses. Voilà, en fait, il faut qu'il trouve sa cible avant que le démon ne la trouve. En fait, les deux... Vous voyez, il y a l'ange et le démon. Et en fait, il faut que l'ange arrive à toucher sa cible avant que le démon ne la touche. Voilà. Donc, il va essayer de toucher ce jeune geek, le pauvre, qui n'a jamais eu une relation amoureuse. Et soudain, il va se retrouver envahi. Envahi. De femmes qui vont toutes vouloir son corps. Vous vous rendez compte? On rêverait tous d'être à sa place. Donc voilà. Alors là, il va se réveiller. Donc on va voir si ce que ça va changer dans sa vie au quotidien, bien entendu. Oh, mec, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, tu es réveillé. Voilà, j'ai besoin de toi. Je t'aime beaucoup. C'est quoi ce scénar? Non mais les mecs, c'est pas possible. Qui a fait ce jeu? Qui a fait ce jeu? Je t'aime beaucoup. S'il te plaît, deviens mon petit ami. Oh là là, oh là 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 là. Qu'est-ce que tu as dit? Non, parce que le gars n'a pas l'habitude, lui. Il n'a pas du tout l'habitude. Voilà, tout le monde se bat. Voilà, tout le monde se bat pour lui. Voilà. La seule qui sera ta petite amie, ce sera moi. Alors, je pense qu'ils vont me demander de choisir une petite amie. Ça ne m'étonnerait pas. Voilà, ça sera peut-être le premier choix du jeu. Vous savez, c'est comme dans Pokémon, là. Là, quand dans Pokémon, quand on commence le jeu, on choisit son starter. Bah là, au lieu de choisir entre Carapuce, Bulbizarre et Salamèche, là, vous choisissez entre la blonde et la... comment l'appeler? La chevreuse.
la blonde et la cheveux rose. Donc, voilà, qu'est-ce que ce serait la légende populaire qui m'a touché, en fait. Voilà, donc la légende de l'ange qui touche les gens. Voilà, calme-toi pour une seconde et écoute-moi. Voilà, tu as une aura de fascination, voilà, c'est pourquoi ces filles sont folles de toi, sans raison. Mais je sais pas qui c'est qui parle, là. Donc, sois très prudent, voilà, tu devrais voir le reste de la journée. Moi, je suis populaire, en amour, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, il faut que je leur tire dessus. Alors là, j'ai pas compris le scénar. Il faut que tu leur tires dessus avec le tir de phéromone. D'accord. Donc je vais leur devoir tirer dessus avec mes phéromones. Quoi. Il y a quand même un mec qui a été payé pour écrire ceci. Donc... Ok, commençons avec le tir de phéromones. Alors, donc comme je disais, c'est un rail shooter. On doit leur tirer nos phéromones à la gueule. Donc pour tirer, bouge la cible et appuie sur le stick droit. Enfin, avec le stick droit et appuie sur carré. Bouge la cible et presse le bouton carré. Voilà, successful, voilà, voilà. Attention à la jauge de vie, hein, bien entendu. Il ne faut pas se laisser... faire trop de câlins par les filles, sinon ça fait baisser notre jauge de vie. Oui, je sais que c'est complètement con, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est japonais. C'est japonais. Toutes les filles ont un point faible, voilà. Alors, il y en a certains, c'est les jambes, d'autres, c'est le chest, c'est la poitrine, hein, chest. Hein. Je suis désolé d'être vulgaire, mais bon, c'est hips ou legs, donc les cuisses ou les jambes. Head, pardon, c'est la tête. Donc toutes les filles ont un point de faible différent, donc voilà, surveille leur réaction en fonction de tes zones que tu touches. Voilà, essaye d'être précis, et machin. Il y a des points apparemment à récolter. Putain, mais ça n'arrête pas de parler, allez, j'en ai rien à foutre. On peut zoomer en appuyant sur R1, alors je pense que ce zoom va être utilisé de manière assez perverse, hein, n'est-ce pas? Je pense, c'est même pour ça qu'ils nous ont foutu un zoom. Donc presse R1 pour zoomer, voilà, tu seras capable de voir des choses exceptionnelles. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, ferme ta gueule, on y va, c'est bon, allez. Alors, je dois leur tirer mes phéromones dessus. Alors, je vais leur tirer... Oh putain, mais elle m'a envoyé une lettre et ça m'a fait baisser ma jauge de vie. Oh non, attendez, j'ai un trophée obtenu, mais c'est honteux. On va voir ça dans ma liste de trophées. Non, attendez, c'est la honte quand même. Donc, je leur tire dessus. Ah oui, quand même, alors là, on peut utiliser la fonction zoom quand même. Putain, c'est une présentation de jeu malaisante. C'est une présentation de jeu extrêmement malaisante, hein, parce que, bien entendu, ils font tout pour nous les mettre dans des poses suggestives, hein, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, je me suis débarrassé d'elles en leur tirant tout simplement mes phéromones dessus. Voilà. Donc, attention, il y a des boss, bien entendu. Il y a des boss. Donc, voilà l'ange de l'amour qui apparaît de nulle part. Voilà, donc apparemment, bah écoutez, je sais pas ce qu'il veut. Elle m'explique un petit peu la vie. Voilà, je m'appelle Ekoro, je suis cupide, voilà, je suis un cupidon en fait. Voilà, tu sais, tu devrais donner de l'amour aux gens, voilà, tout ça, je suis un ange, voilà. Tu es un ange, juste comme la rumeur, donc est-ce que tu es impliqué avec la légende super populaire de cet endroit? Légende super populaire, ah oui, c'est mon ange Senpai qui l'a créé. C'est une bonne Cupidon quand elle essaye, voilà, mais bon, voilà.
En fait, ils sont plusieurs. Il y a plusieurs anges, apparemment, de l'amour dans ce jeu magnifiquement bien écrit. Hein. Là, vous voyez, qualité d'écriture, là, écoutez les The Witcher 3, là, c'est de la merde. À côté, les The Witcher 3, c'est de la merde, là. Bon, allez, j'en ai rien à foutre. Allez, amène-moi dans une deuxième séquence de shoot, qu'on en finisse avec cette présentation. Allez. Allez, allez. Allez. Alors, je veux pas dire, mais quand même, il y a une limite, quand même. Il y a une limite. Là, ils ont l'air quand même extrêmement jeunes, ces filles-là. Je veux pas dire, mais attention. Attention, messieurs les développeurs, attention. Attention. Je ne sais même pas qui a développé ce jeu. Je ne sais pas. Donc voilà, y avait un couple d'amis qui ont grandi ensemble, voilà, qui étaient avec des sœurs, voilà. Nous étions de bons amis quand nous étions jeunes. Ouais, elle nous raconte l'histoire de sa vie, quoi, j'ai envie de dire, voilà. On s'en bat les couilles, bien entendu, mais bon. Bon, allez, moi je veux une deuxième séquence de gameplay. On va speeder parce que... Le scénario, c'est un bordel pas possible. D'ailleurs, quand ça me fait penser aux jeux, vous savez, qu'on peut trouver sur Steam. Il y a des jeux comme ça sur Steam. Bon, je joue pas sur Steam. Mais j'en ai déjà entendu parler, des jeux comme ça qui sortent au fin fond du trou du cul de Steam, quoi. Le fin fond de la poubelle. Voilà, tu peux toucher les filles doucement en usant le bouton carré. Mais attendez, mais à qui s'adresse ce jeu? À qui s'adresse ce jeu? Expliquez-moi à qui s'adresse ce type de jeu, quand même. Ah, faut être désespéré, mais level max, quoi. Là, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, tu peux, voilà... je vous ferai même pas les traductions, parce que c'est malaisant. C'est malaisant. Voilà, donc on peut toucher les filles pour faire monter sa jauge de Doki Doki. Je sais pas ce que c'est. Alors, non mais là ça va loin. Là ça va loin, quand même. Parce qu'en fonction de l'endroit où on les touche, elles ont une réaction différente. Donc je préfère pas vous dire où est-ce que ça marche le mieux, en fait. Parce que je sens... qui vont nous faire toucher des parties que je préférais ne pas toucher, voyez-vous. Parce que ça va, ça sent le strike de cette vidéo, ça sent le strike. En plus, YouTube en ce moment est assez vigilant, surtout pour sur le contenu pour les enfants. Il y a une nouvelle loi qui est passée, la loi COPPA, qui nous oblige à dire si les vidéos sont visionnables ou non par les enfants à chaque fois qu'on sort une vidéo, nous les créateurs. Donc bon, là je pense qu'effectivement, je vais pas mettre « oui, cette vidéo est visionnable pour les enfants hein », hein. Bon, écoutez, alors on va les toucher. Et on va voir comment ils réagissent en fonction de l'endroit où je les touche. Allez. Ne me faites pas regretter d'avoir présenté ce jeu. Hein. Sincèrement, là, ce jeu pourrait signer la fin de ma carrière. Quoi. Vous imaginez, attendez, moi j'étais quelqu'un de super sérieux sur cette chaîne. Oh, l'analyse théorie d'une heure, tout ça. Oh là 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 là, je parle de sujets sérieux, de thèmes qui concernent la vie. Et d'un coup, je fais une présentation d'un jeu pervers. Attendez, ça peut ruiner complètement la crédibilité de cette chaîne YouTube. Bon, comment on fait, là, Nenoko? Mais attendez, leur robe est transparente, mais putain, mais ça va loin quand même, ça va loin. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas ce qu'il analyse là. Ah oui, il faut analyser la culotte, bien entendu. Hein. Bien entendu, le contraire m'aurait étonné. Alors, peut-être que je me gourre, je vais essayer tous les boutons. Ah oui, il faut toucher avec triangle. Voilà, bah faut toucher les endroits qui vont la faire réagir. Non les mecs, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous sur ce jeu? Je sais pas. Je sais pas ce que je fous là. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Non, c'est gênant là. C'est gênant. Oh là 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 là. Je suis navré. Je suis vraiment navré. Je m'excuse solennellement auprès de tous mes abonnés là. Tous mes abonnés qui regardent cette vidéo là. Je suis vraiment désolé quoi de vous imposer ça quoi. C'est un malaise. C'est le malaise ultime. Putain les mecs, j'ai sorti 200 vidéos sur cette chaîne YouTube. Je n'ai pas souvenir d'avoir
montré une seule fois en 200 vidéos quelque chose d'aussi malaisant que ça. Attendez, mais... Alors là, le trophée qui s'affiche, là, je peux vous dire un truc, c'est que je vais le masquer illico de mon compte PSN. Ah, ça va pas rester affiché longtemps, là, on va vous dire. Parce que j'ai pas envie de passer pour le pervers chez mes amis PSN. Waouh, qu'est-ce que c'était? C'est incroyable. J'ai beaucoup appris de mon senpai, c'est un miracle de l'amour. Bouya. Bouya. Ouah, sérieux. Je suis vraiment dans la merde maintenant, quoi. Voilà. Est-ce que le super populaire légende de Senpai provoque toujours ce ressenti? Ok, Udai. Allez, on va essayer de trouver un autre amour véritable. Ouais, tu devrais ressentir quelque chose de spécial pour elle. Voilà, ça va t'aider à trouver ta princesse. Allez, on s'en fout. Amène-nous vers une nouvelle séquence de gameplay. Ensuite, on va pouvoir clôturer quand même cette présentation. Est-ce que ton corps est prêt? My body is ready. These girls, ces girls ont quelque chose à te confesser. Ils doivent te confesser leur amour, quoi. Voilà, tu dois résister. Si tu n'es pas assez fort, ben voilà, c'est fini pour toi. En fait, vous résistez à l'amour dans ce jeu, c'est ça. C'est un jeu anti-amour, en fait. Bon, elle parle trop. Allez, on va faire une dernière séquence de gameplay pour voir vraiment est-ce que ce jeu peut aller encore plus loin dans le malaise ou pas. Parce que là, quand même, on est parti loin, quand même, déjà. Là. Alors, on va lancer un nouvel épisode. Hop. Ah, on a un nouveau message. On va voir ça. Donc, on a un système de textos qu'on peut échanger avec nos conquêtes, apparemment. D'accord, bon. Donc, j'ai besoin de trouver mes lunettes. Ah, ok, on a carrément, ah ouais, pas mal de trucs. Bon. Allez, on va lancer une dernière séquence de gameplay. Enfin, de gameplay, c'est vite dit, hein. N'appelons pas cela du gameplay, quand même. Faut pas déconner. Donc on va lancer une dernière séquence et puis on va voir ce que nous réserve ce jeu incroyable. Attendez, si cette vidéo-là vous a plu, si vous voulez des trucs dans le même style, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais je doute qu'il va y avoir beaucoup de commentaires me disant de présenter ce genre de jeu. Mais bon, on sait jamais, peut-être ça vous a fait rire. Donc si ça vous a fait rire, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'il y a des jeux de ce genre, quand même, hein, sur le PS Now. Oh putain, attention, je me fais attaquer par des filles qui me veulent. La grande menace du jeu. Voilà, donc je leur envoie mes phéromones pour les calmer, pour les affaiblir. Oui, donc si vous avez envie d'autres jeux comme ça, n'hésitez pas, il y en a plein, hein, sur le PS Now. En fait, ils ont fait une catégorie qui s'appelle « Pépites japonaises ». Alors, faudra me dire quand même en quoi ce jeu est une pépite japonaise, mais bon. C'est plutôt une connerie japonaise. Mais bon, voilà, dans la catégorie pépite japonaise, il y a des jeux comme ça. Un petit peu à la limite quand même de ce qui est montrable, je pense. Quand on est un minimum normal. Quand on est un minimum pas fêlé, en fait. Voilà. Donc là, voilà, il est tellement débordé qu'il saute carrément des ponts, quoi. Le gars, il se saute carrément, il se suicide, quoi. Tellement il est trop aimé par les filles, quoi. C'est un scénario de fou, quoi. Alors, où est-ce que je vais aller? Alors, il y a des choix aussi, hein. Il y a des choix. Vous voyez, Detroit Become Human en pleurs devant la complexité de ses choix. C'est-à-dire, soit je vais devant, soit je vais à droite. Allez, on va suivre l'eau, qui m'a l'air quand même bien faite. Moi, j'ai envie de vous dire, l'eau, quand même, elle est bien faite, là. Moi, je connais des jeux PS4 qui proposent une eau bien plus dégueulasse que ça. Certains sauront de quoi je parle. Alors, on va sauter. Alors là, c'est automatique, hein, c'est rail shooter. Hein. Ne me demandez pas ce que je fais, c'est pas moi qui appuie pour sauter. On a des filles qui ont quand même commencé à enlever leurs vêtements. Hein. Elles sont tellement pressées de me sauter dessus que ça y est, elles ont déjà enlevé leurs bas. On a des filles en culotte, on peut zoomer, attention. Attendez, on va zoomer quand même. Ce serait con de ne pas profiter de toutes les petites spécificités de ce jeu, quand même. Voilà, il faut zoomer, quand même.
faut zoomer sur ce qui est important à zoomer quand même. Et dire que ce jeu a fait des ventes. Vous vous rendez compte, ce jeu a fait des ventes. Il y a des gens qui ont dû acheter ce jeu 50 balles quand même. C'est dingue. C'est dingue. Mais bon, faut se dire que au Japon, c'est vraiment... C'est une autre culture. Hein. Il y a ce genre de choses. C'est quelque chose qui est assez régulier chez eux quand même. Hein. Voilà, donc on continue d'attaquer, de lancer nos phéromones sur... les filles qui nous veulent. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir la présentation, on va se laisser attaquer pour voir s'il se passe quelque chose, s'il nous saute dessus ou s'il y a juste un écran de game over, ou peut-être qu'ils vont commencer, je sais pas, à nous faire des câlins. Ça peut devenir un petit peu olé olé cette histoire. On va voir ce qui va se passer. Ah, un boss, attention. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais... Ah ok, alors là, il y a plusieurs écrans sur lesquels il faut, hop, vous voyez, pivoter. Attention, un petit peu de difficulté hein, dans ce jeu. Donc vous savez ce que je vais faire, là, je vais me faire... je vais rien faire. Je vais me laisser avoir. Donc première étape, elle me donne une lettre d'amour. Donc la lettre d'amour fait baisser la vie. Ensuite, quelle sera la deuxième étape? Ah ok, elle donne que des lettres d'amour. Bah c'est con ça, ouais, j'aurais préféré, j'aurais espéré qu'il se passe quelque chose de plus piquant quand même. Bon bah tant pis. Ils sont pas bien foulés hein, les développeurs. Hein. Ils se sont pas bien foulés quand même. Hein. On va attendre. Hein. On va attendre le game over. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu. N'hésitez pas, soyez franc, soyez franc, soyez franc. Que pensez-vous de ce jeu? Mais dites-vous bien que je ne l'ai pas acheté, attention, hein. Attention, hein, pour ceux qui auraient cliqué comme ça, un petit peu sans regarder, je rappelle, c'est un jeu PlayStation Now. Je n'ai pas acheté ce jeu. Ce jeu fait partie des jeux du vaste catalogue du PlayStation Now. Voilà. Mais vous voyez, c'est bien le PlayStation Now parce que ça vous permet de découvrir des trucs comme ça, en fait. Des trucs qui font marrer, quoi. Des trucs tellement... C'est des ovnis, quoi. Ils sortent de nulle part avec des trucs tellement pourris à l'intérieur que tu te dis, mais c'est pas possible de faire ce genre de jeu, quoi. Mais ça, c'est ça qui est bien dans le PlayStation Now. C'est qu'il y a de tout. Il y a des trucs vraiment bien. Et il y a des trucs vraiment nazes. Et moi, les trucs vraiment nazes, ça me fait rire. Donc j'essaierai d'en faire quelques-uns sur cette chaîne YouTube. Voilà. Allez, on va s'arrêter là. Alors, bon, allez... On va faire un tour dans le dressing room, mais quand même, c'est malaisant, quand même. Non, mais là, je vous jure, c'est vraiment malaisant, ce dressing room, quoi. C'est vraiment malaisant, parce que c'est... La représentation qui est faite, quand même, de ces jeunes filles me fait quand même penser qu'elles ne sont pas majeures, quand même. Donc, c'est là que ça devient, mais tellement gênant. Ça devient tellement gênant. On va quand même voir... à quoi sert ce menu en fait? Je pense qu'en fait on peut choisir comment les habiller. Ouais. En fait, vous savez ce que je me demande? Je me demande si je vais mettre cette vidéo sur la chaîne. Est-ce que je vais aller jusqu'au bout du truc et oser mettre cette vidéo sur ma chaîne YouTube? Je sais pas. Ouais, donc on peut les foutre à poil, hein, limite, hein, presque. Hein. C'est incroyable quand même. Mais c'est incroyable. Mais comment ce jeu a pu être validé ici en Europe? Comment il a pu être validé sans passer Peggy 18? Ouais, bon, pour l'instant, on n'a rien, quoi. Je suis sûr qu'il doit même y avoir une boutique, je pense. Est-ce qu'en fonction de la personne, on a des trucs différents? On va voir. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Hein? Bon gros jeu de merde. Un bon gros jeu de merde, hein. Écoutez, voilà. J'espère que ce bon gros jeu de merde vous a plu. Attendez, on peut changer de... Ah ouais, d'accord. Ok, bah vous choisissez la fille que vous voulez. Hein. Ah, vous avez toutes les filles du lycée. Enfin, je crois que c'est un lycée. Première année, deuxième année. Vous pouvez mettre qui vous voulez, hein. C'est un truc de fou. Bon,
Bah écoutez, je pense qu'il est temps d'arrêter quand même. Il est temps d'arrêter ce massacre. Il est temps d'arrêter ce massacre. Alors si la vidéo vous a plu, vous a fait rire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Comme ça, ça me fera voir un petit peu si vous avez envie d'en avoir une autre dans le genre. Voilà. Si je vois qu'il y a pas mal de pouces bleus qui commencent à se rajouter, je me dirais, bon, ils ont aimé, donc je leur fais une autre vidéo du genre, voilà, sur un autre jeu assez déconnant, comme ça on verra bien, on rigolera bien. Si par contre, vous avez trouvé ça trop malaisant, et vraiment vous voulez plus voir ce genre d'horreur sur ma chaîne YouTube, mettez un pouce rouge. Mettez-le, le pouce rouge. Comme ça, ça me fera prendre conscience qu'il ne faut plus jamais que je fasse cette erreur. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation de jeux PlayStation Now. Ciao, ciao!